C'est lourd, hein. Énorme. Ah, la fourmi. Merde, ça fait ça. Ne coupez pas. C'est la même chose avec vos batteries. Vous allez mourir à cause de ça. C'est bon, j'ai mon t-shirt de protection. Attends, je filme pas au bon endroit, tu en vois pas les gens. J'ai pas assez d'abonnés pour influencer qui que ce soit. J'espère que ça va pas. Tu t'en sors ou pas? Eh non, mais c'est terrifiant. Le gros plan sur. Est-ce que ça filme? Oh là là, t'as trouvé une belle planche pour percer les trous. C'est quoi cette merde? Peut-être qu'ils l'ont vendu pas serré, le machin. Finalement, ça sert peut-être le... Non. Faut que tu le vois. Ah, les petits. C'est quoi? T'as bien fait d'allumer la caméra pour ça. Du coup, Oh putain, le gros. Bon, ouais, j'avais une augmentation, ça. Oh, bah, l'enterrement du garçon, si vous saviez ce qui s'est passé, les mecs ils vont s'imaginer des trucs de ouf. Ici. Bon, ouais. S'il te plaît, je veux tout ce que tu. J'ai presque l'impression de participer là. Là, c'est le contour. Ouais, après, on n'est pas obligé d'être ultra. Oui, tant qu'on est dedans. Titre. Je l'ai pas le maillé, mais je vais mettre. Ah, mon pied! Il a pris le téléphone genre d'une nana, il le met dans une enveloppe en carton, ouais. Et après il en sort 10, et il m'a fait monter sur scène, il a fait « Tu prends le marteau et tu tapes », je fais « D'accord », bam, et j'ai pété la table. Et personne l'a vu, je crois que je suis parti discrètement. Est-ce que je montre à la caméra le problème? Tu feras une voix off. Là nous nous rendons compte que c'est de la merde. Du coup, la hauteur elle est trop petite, ma fraise. Du coup, je vais recevoir une fraise à copier où le roulement à billes est de l'autre côté. Et donc, je ferai un premier passage et après je ferai dans l'autre sens. Bref. Donc, en attendant, on va faire le manche. On fait le manche. Et ça, je reste là parce que comme ça, je pourrais faire ça ce soir. Du coup, hors caméra, on a refait le plan pour savoir les épaisseurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une épaisseur de 1 cm de stipo au milieu. Après, deux épaisseurs, enfin une épaisseur et une épaisseur de padouk sur les côtés, qui va faire 1 également. Et on va falloir qu'on colle ça en premier, parce que bon, c'est toute une histoire, mais voilà. Et après, on fera du sapellé sur le reste, et l'épaisseur qui va nous manquer, on fera le maximum, et après on coupe dedans. Et comme j'ai la flemme de ranger la scie derrière, parce que c'est le bordel, on devrait faire un birol du bordel. Ah, Richard. Et ben on va couper ça avec la scie japonaise, parce que j'ai la flemme, et puis ça n'a pas besoin d'être précis, donc... 70 comme ça. 70 et re-70. Je vais se marquer, du coup, je suis content. 70. Oh, j'irai pas jusque. Je pense que. Tiens, elle cherche les trucs qui dansent. Tiens. C'est bon. Vas-y, vas-y. Tape dans le pont, je suis pas ta mère. Voilà. C'est mieux. Intégrateur, ouais. On a plus rien. Mais comme là, on a 30 minutes de nous deux en train de râler sur le monde du travail. Ouh, oh, je me suis coupé. Bon, bah, c'est bon, on a reçu les fraises avec les roulements du bon côté pour pouvoir faire le corps. Donc, c'est parti.
de Robinus Malarius. Non, Malarius, je sais pas. Malarius. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, laissez-moi tranquille. Vous avez obtenu une planche de bois. Voilà, le projet est terminé. Merci, à bientôt. Nettoyer, connais pas. Non, c'était pas quand même. Mais... Pardon, excusez-moi. On dirait les animaux qui se prennent. Oui, sur la caméra. De... Il est dégueulasse ton train. Ça va Le milieu, il est entre là et là. Je ferme l'enregistration. Ça va, il est pas sanguin, monsieur. Ah mais j'en ai marre. Years later. Et voilà. C'est ça les miniatures. Voilà, fin du week-end 2. Bon, on n'a pas fait grand chose au final parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ouais. On a fini de faire le tour de la corde, on a fini le corps et on a fait une première partie du manche, donc ce sont les deux inserts en paddock. Et il nous restera à préparer le cipo et le sapelli. Voilà, ça va être sympa. À la prochaine, on rentre maintenant, ça suffit. Hein, bon, faut pas pousser mémé dans le thé chaud, faut pas respirer la compote, ça fait tousser.